La caméra fonctionne là? Oui, elle marche. Ok. Ladies and gentlemen, soyez le bienvenu au grand tournoi de cash organisé par le Seigneur d'Anjou et qui opposera 16 participants pour le titre de champion ultime. Aujourd'hui, je suis votre hôte, Axel, qui va vous présenter chaque match avant le début. Et oui, le commentateur a été engagé comme participant, hein, enfin bref. Mais avant de commencer le tournoi, quelques mots de notre sponsor, le Seigneur Dangereux en personne. Merci à tous et soyez bienvenus pour ce second tournoi. Aujourd'hui, ces 16 participants, anciens comme nouveaux, vont désormais s'affronter pour savoir lequel d'entre eux deviendra le meilleur de tous les mondes fictionnels qui se trouvent autour de nous. J'observerai ce tournoi avec la plus grande attention, dont notamment notre très cher ami de Fonfon 85 fera partie de ses participants, souhaitant-leur bonne chance et une bonne torture que je vais pouvoir savourer discrètement derrière mon bureau. Bonne chance à tous et que le meilleur ou la meilleure gagne. Et je vais avoir du sang et des tripes par terre. Merci beaucoup. Et maintenant, il est temps de commencer les quatre premiers matchs de la phase préliminaire, où nous allons tout d'abord commencer par le premier match, et notamment le premier adversaire. Venu tout droit de la France, il est considéré comme l'un des pires youtubeurs de tous les temps, accusé de plagiat, vol de page de Facebook et récemment humilié par sa dernière participation. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le kéké de YouTube, Matt Podcast! Et à ma droite, champion de catch de l'univers de Virtua Fighter, le champion du Canada, venu exprès de ce monde pour prouver sa force sur le ring, Wolf Hockfield! Et maintenant, messieurs, dames, il est temps de vous destroyer les uns les autres. Are you ready? Fight!
vainqueur par soumission, Wolf Hawkfield. Déroulé, mais maintenant il est temps de passer au second match. Sur le coin gauche, une femme magnifique possédant le pouvoir de Izanami, la déesse de la mort, mais que nous lui avons interdit qu'elle emploie son pouvoir sur le ring, je vous demande d'accueillir la japonaise insoucieuse, survivante du génocide de son petit village, Saiko! Droit. Regardez-le, ce nulos, originaire de YouTube, lui aussi, recruté par le Seigneur Dangereux qui lui voue un culte alors qu'il ne le mérite même pas. Ce jeune homme, une honte pour sa pays, la France, Fanfan du 85. Maintenant, c'est l'heure de commencer le match! Fight! We'll be right back.
et vainqueur par soumission, Fanfan du 85. Et maintenant, ladies and gentlemen, il est temps de faire le troisième match. Un match que vous allez beaucoup aimer, je vous en conviens, puisqu'en effet, c'est un cat fight qui nous attend pour ce troisième match. Sur le côté gauche, la demi-finaliste de la dernière compétition qui avait perdu son match face à John Cena, le champion du Senior Dangerous Wrestling Tournament. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la DJ survoltée, Electrode! Check this out, this is Chuck D, Public Enemy number one. You're checking out my man, bringing the noise, that's right, this new year. My man Benny Benassi, guaranteed to heat up the floor for sure, yeah. Bring the noise! Droit. La présidente de la Kirijo Corporation, une société qui chasse les Shadows et qui a accepté de participer à notre prestigieux tournoi, souhaitons-lui bonne chance car c'est la reine des exécutions et il paraît que ceux qu'elle affronte n'en ressortent pas vivants. Mitsuru Kirijo! Et maintenant, c'est l'heure du cat fight! Fight!
de ce match par soumission électrode. Check this out, this is Chuck D, Public Enemy number one. You're checking out my man, bringing the noise, that's right, this new year. My man Benny Bonasso. Et voici le dernier match de notre soirée. Un match qui va opposer une ancienne légende du catch à un terrible vampire. Tout d'abord, sur le coin gauche, ayant quitté sa retraite internationale qu'il avait officiée en 2010, il est de retour sur le ring pour prouver sa domination. Shawn Michaels, the sexy boy! I think I'm cute, I know I'm sexy. I've got the looks that drives the girls wild. I've got the moves that really move them. I said chill up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I make them hot, I make them shiver. Their knees get weak whenever I'm around. They see me walk, they hear me talk. I make them feel like they're on cloud nine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. Eat your heart out, girls. Hands off the merchandise. Et sur le côté droit, une légende de la Roumanie après avoir été affecté par l'épée Soul Edge. Il veut désormais changer le monde pour qu'il soit commodité pour lui et sa fille. Amy, je vous demande d'accueillir Raphaël Sorel. Et maintenant, il est temps de se battre! Fight!
vainqueur par soumission, le sexy boy Shawn Michaels. Vous apporter mon rapport, monseigneur. Dis-moi donc. Les quatre premiers participants pour les quarts de finale sont Shawn Michaels, Fanfare du 85, Electrode et Wolf Hockfield. Hockfield a réussi à vaincre Matt Podcast malgré tous les conseils que vous lui avez donnés. Fanfare du 85 a vaincu Psycho, tandis que Electrode a éliminé la plus grande menace à notre plan, à savoir Mitsuruki Ujo. Et enfin, Shawn Michaels s'est occupé du vampire. Qu'est-il arrivé à la Kirijo ? A-t-elle été recrutée ou s'est-elle enfuie ? Non, nous avons toujours pas réussi à retrouver sa trace. Peu importe. Elle n'est qu'un simple petit obstacle. Nos petits hommes sauront s'en charger. Quant à Fafon du 85, je n'y attendais pas qu'il aurait passé les phases préliminaires. Peu importe, nous laisserons M. Hockfield se régler de tout ça. La semaine prochaine, la phase préliminaire aura lieu. Et nous pourrons enfin savoir qui seront ceux qui accéderont au quart de finale. Assure-toi qu'il ne soit pas un danger pour notre éventuel plan. Oui, monseigneur. Mon invasion va pas tarder à commencer. Et il est hors de question que de misérables insectes s'opposent à mon plan diabolique. Bientôt, ce monde, ainsi que tous les mondes de fiction, seront à moi.